Salut à tous, donc vous voyez ce matin je vais vous faire une petite vidéo assez rapide, c'est juste pour vous montrer en fait ce que j'ai trouvé dans mon potos quand j'étais en train de faire donc mes grillons et mon potos, enfin d'arroser mes plantes. Je vais vous montrer un gros criquet. Donc là attendez, il vient de s'envoler. J'essaie de le rattraper, le problème c'est que je peux pas passer les bras et qu'il se barre direct en fait. Alors j'ai réussi à l'attraper parce qu'il fait que s'envoler, donc je vais vous faire un zoom dessus puis je vais le relâcher. Alors toujours bien le tenir par les deux pattes, donc arrière et les ailes. Pourquoi? Donc je vais vous expliquer ça tout de suite. Parce qu'en fait, il faut lui coincer les premières pattes en fait. Vous voyez, il s'en fout, hein, il est tranquille, il est calé. Les pattes arrière, on s'en fout celle-ci. Il faut vraiment lui caler les premières. C'est celle-ci qui se sert en fait pour la détente et les ailes. Ensuite, vous pouvez vraiment le maintenir sans le blesser, il n'y a aucun problème. Voilà, super espèce, c'est joli. Je voulais vous le montrer avant qu'il s'envole. J'ai quelques plans un petit peu avant, j'ai eu un problème de formatage en fait avec ma GoPro, donc vous aurez pas tout ce que j'ai dit, mais c'est pas grave. L'anatomie d'un criquet. Version max, non je rigole. Non mais voilà, vraiment vraiment cool. J'espère que vous voyez, vous verrez bien. Je sais pas ce que ça va rendre là, j'ai pas beaucoup de lumière. Donc j'essaie de faire au mieux. Je suis bien content de cette caméra, hein. C'est des abonnés qui me l'ont offert. Et je suis très content. Parce que j'arrive vraiment à faire ce que je veux avec quoi. Voilà, je vais vous laisser sur ça. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, salut à tous.